Bienvenue au Z-Event édition 2024. Nous sommes là cette année pour 5 associations. Nous sommes là pour lever un maximum de dons à plusieurs sur les internets, pour le Secours Populaire, pour Solidarité Copains Étudiants, chapitre 2, Bureau du Cœur et Solidarité Paysan. Tout le week-end, évidemment, jusqu'à dimanche minuit et quelques, etc., etc. Je rappelle que nous ferons des activités quand même durant ce week-end. Vous savez, il y a un jeu de DFG qui est très simple. Le jeu de DFG, il consiste à une petite enveloppe comme ça. Nous allons sur un site internet. Nous voulons tuer quelqu'un du Z-Event. Je dois réaliser la mission qui est sur ce petit papier. Ma mission étant, fais-toi backseat par un autre joueur. Je pense avoir ma cible. La cible est installée. Si je lui dis frérot, donne-moi des conseils sur Smash, et il me fait bah il faut faire ça, 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 c'est bon. Ok, d'accord. Et toi, elle est déjà morte, tu es par MV. Hein? Sinon, je kill Mintos, mais j'ai pas envie de kill Mintos, c'est un frère. Mintos déjà tué par MV. Non, mais MV, il tue tout le monde. Non, mais MV, attends, je le trouve, je le bute. Oh, attends, oui, attends, truc de fou. Attends, je prends une comp de TFT devant moi. En fait, il débarque, je lui dis ouais, frère, je commence là, mais tu me conseilles quoi là? Ça se joue comment? Et c'est fini en fait. Il est pas avec tonton là? Si, il est avec tonton là. Il est en train de tuer tonton, je crois. Oh attends, il revient, le prank arrive, le prank arrive. Il vient de tuer tonton là? MV? J'ai un défi où je dois jouer à TFT, mais genre, tu me conseilles quoi comme comp? Hein? Ah, il est fort aussi, il est fort! Il dégoûte! J'ai bien envie de demander un conseil Valorant à angle droit. Bon, non, tu me déranges pas. Le Gecko, il est facile à prendre en main. Tu lances des petites bestioles qui font repérage et tout. Voilà. Non, t'inquiète. C'était un goal. Je me suis dit, c'était louche ton histoire. C'est pas vraiment du backseat, c'était un conseil. Oh non! Amuse-toi bien. J'ai voulu être sympa. J'ai tué angle droit, j'avoue tout. J'avoue tout, angle droit est décédé. Du coup, je récupère une mission, le chat. Attention, je ne connais pas la mission d'angle. Un autre joueur doit garder les bras levés une minute. Et c'est impossible. Mais c'est... La mission est impossible, en fait. J'ai envie d'aller tuer Reeve avec le truc des mains levées. Je sens qu'il peut prendre. J'ai une idée. Le carnet de dessin. Ça. Et je demande à la personne de faire un croquis en une minute. Genre que je dois faire des croquis en une minute, genre des portraits. Pendant une minute, je fais semblant de dessiner. Avec la personne, avec les bras en l'air. Ou alors je vais voir Rivenzi et je lui dis, on met les mains en l'air et le premier qui les baisse, il gagne le Mont-Saint-Michel. Le Z-Place, donc si vous faites des dons, vous pouvez récupérer. Chaque euro donné vous donne 10 pixels. Pour ceux qui avaient vu la Pixel War, c'est exactement... C'est quoi du coup, c'est quoi le challenge? Alors moi le challenge, c'est qu'en fait, j'avais un 2H goal où je dois dessiner en une minute, top chrono, une minute, tous les gens du Z-Event. Et ils ont tous une position incongrue. Et donc toi, la position serait que t'es les bras levés. Donc en fait, ce qui est chiant, c'est que je te demande de lever les bras pendant 60 secondes. Je le fais, mec. Ok, top. Ok, c'est bon. Il y a un reveal. Oh non, quel bâtard. Putain, je me suis fait baiser. Merde. Nous avons un nouveau défi. Un autre joueur doit te complimenter sincèrement. Ok, n'est pas mort. Précéa est pas mort, t'as skip. Précéa, moi je peux kill Précéa. Ouais, vas-y, je go Précéa, je tente. Full impro. Attends, attends, c'est comment? Attends, voilà. Vous en pensez quoi? Toi, en toute sincérité, dans mon sens. En toute sincérité. Non, mais c'est bien parce qu'on. Non, t'as un problème mental, je pense. D'accord. Je pense qu'il y a un petit problème mental. Voilà. Il y a... Ah non, tout le monde dit que c'est incroyable. Non, c'est parfait. C'est. Mais là, t'es pas sincère. T'avais un truc sincère au pire, pas sur le dessin, mais sur moi. Alors, non, en fait, je dirais, non, sincèrement, si je dois être sincère, je dirais que tu devrais aller consulter très vite quelqu'un, un psy. Parce que moi, il y a un gosse qui me montre ce dessin-là, parce qu'il a des troubles mentaux, et je pense qu'il se fait tabasser à l'école. Non, mais c'est bien essayé. Donc je suis nul en dessin, quoi. Moi, je dis qu'il faut continuer à dessiner. C'est un encouragement. C'est un encouragement. T'avais un compliment à faire parce que tu m'as fait plutôt un... Oui, alors un compliment dans tout ça, bah on peut... En fait, ce qui est bien, c'est qu'on reconnaît les bras, on reconnaît le visage, on reconnaît le corps et les jambes. Enfin, c'est bizarre, là, c'est flou vers le bas du... Et mes chaussons? Alors ça, par contre, alors ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une en dinguerie. Toute sincérité. En toute sincérité, c'est okay. Une dinguerie. Donc, je suis désolé de t'annoncer qu'en toute sincérité... Oh non! Non, je suis morte! Bon, c'était dur. Dans la douleur, je sais, il y a vraiment un truc, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Déjà, la Zilan, Antoine Daniel, il parle d'anomalie congénitale sur moi. Là, on me dit que j'ai des troubles mentaux. Dire au bout d'un moment, ça va peut-être aller la psychophobie sur moi, là. À chaque event, on me chie dessus. Fait jongler un autre joueur avec n'importe quoi. Oh, parfait, c'était un faux PNG.
ça ira très bien. Ça Salut va ou quoi Bugs. Tu sais jongler ou pas? Si oui. J'ai besoin d'apprendre. Tu peux me faire une démo? Ouais. Alors, ça fait longtemps, mais je sais. Parce que je sais vraiment pas le faire. Elles sont légères, c'est dur. Ok. Tac, tac. En gros, tu Vas-y. Lances une. Une, ouais. Avant qu'elle atterrisse, tu lances l'autre. Avant qu'elle atterrisse, tu lances celle-là, en fait. Ok. Tac, tu lances. Là, je me crois parce qu'elles sont trop légères. Non, mais tu l'as réussi au moins une fois. On est d'accord pour dire qu'elle a réussi. Merci beaucoup. Du coup, c'était pas du tout pour moi, c'était pour le killer. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. Ouais, ouais, ouais. Tu devais faire jongler quelqu'un. Putain, j'étais trop fier en plus. Ouais, je sais bien. Bah, je gagne ton enveloppe. Je gagnais la carte de Baguera, qui consiste à animer le live de quelqu'un pendant 3 minutes et MV est pas à sa place. Oh, dites-moi qu'on m'entend. Dites-moi qu'on m'entend. Pitié. Dites-moi qu'on m'entend. Je dois animer le live de Mister MV pendant 3 minutes. Bah finalement, c'est le revers de la médaille. C'est pour ma... Oh putain, il arrive. Oh putain, il arrive. Ça fait combien de temps? 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 Ça va bien, vous? Merci pour les dons, hein, bravo. Faites des dons, parce que je pense que Mister MV, une fois qu'il aura plus rien à faire, c'est-à-dire qu'il sera sorti du jeu, eh ben, il faudra quand même... voilà, une minute, non mais arrêtez. À 11, c'est validé. Pas 3 minutes. 1 minute 30. Ça fait 1 minute, ça passe. Ça fait longtemps que je suis arrivé, hein. Arrêtez de me faire croire que ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Je vais compter. 1, 2, 3, 4... Hein? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Je devais animer le live d'un autre joueur pendant 3 minutes, ça fait 5 minutes que je suis là. Comment ça, 5 minutes? Non, ça fait pas 5 minutes. Ça doit faire, je sais pas, 2 minutes. Ça suffit, oui. Putain, mais c'était tellement gratuit, il fallait que tu viennes. Putain! Ça fait 3 fois qu'il essaie de me baiser, le bug. Il a été prévenu. Ils ont poucave. Horty est plus sur son live, fonce. Elle est à côté de moi, bande de zinzins, vous êtes cons ou quoi? Ça va, Horty? Ça va très très bien. T'as des défis, c'est ça? Ouais. Non, mais non, bah du coup, je te parle pas. Non mais voyez, je me fais des ennemis maintenant. Alors que c'est quelqu'un que j'apprécie, Horty. Vous voyez, avec vos jeux de con, je suis obligé d'envoyer chier les gens. Non mais c'est horrible, j'aime plus ce jeu là. Les gens se disent, mais c'est qui ce mec là, il veut trop gagner. Link est mort ou pas? J'ai vu Link partir, mais je sais pas où il est parti. Est-ce qu'il est mort? Non. D'ailleurs, OP a fait ça déjà. Ok. Le truc à dessiner pour me faire un nouvel overlay. D'accord. Que tu peux choisir et ensuite tu vas dessiner ici. Sachant que du coup, OP m'a fait mon cadre 2, mais à chaque instant, je vais juste faire react. Une je scène. Vous laisser react quand même. Le mec est déjà idiot. Ah oui, c'est vrai. On va animer le live pendant 3 minutes. Okay. T'es quoi? T'as une super caisse. Fais-moi une voiture verte. Une voiture verte. Ouais. J'ai l'enveloppe, vas-y. J'ai une voiture brat. Oui. Vas-y, ça marche. Ouais. Ah, j'ai pas la place de mes ambitions. Ah, t'as trouvé mon téléphone? C'est une très grosse voiture, donc carrément. Ça va pas rentrer là. Bah ouais, c'est une giga caisse. Ah ouais, putain, GG. Il faut que j'ai la place de mes ambitions. Ok. J'aurais dû garder mon téléphone sur moi, il était un peu trop en évidence. On aura fait une belle streak quand même. Hein. Le challenge de Dame Dame, c'était prendre un selfie avec le téléphone d'un autre joueur. Mon téléphone est verrouillé, mais tu peux prendre des photos. Genre, il y a une application photo en bas. Tu peux pas accéder à la galerie, mais tu peux prendre des photos. Nous allons évidemment réaliser le dessin pour Edmund. Tu lui enverras après. Je dois lui envoyer, bien sûr. Vous voyez, là, je suis bien en proportion. Là, les proportions sont bien. Là, il y a sa bouche. Je peux faire genre comme As, là. Genre, je suis pas content, tu vois. Bam. Ruined. Mais arrêtez de dire Ruined. Ah, c'est vraiment l'enfer, j'en ai fait des dessins de merde, mais alors celui-là, mon dieu. Voilà, voilà, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de faire. Après, vous savez, je peux envoyer le dessin dans sa boîte postale. Je suis pas cependant obligé de mettre mon nom. Je peux dire que voilà, c'est Roscoe qui l'a fait, quoi. Ça va finir en Donkey Kong. Franchement, moi, je dis, il commence à avoir du charme. Vous l'aimez pas, mais moi, je commence à l'aimer, moi. Non mais franchement, c'est grotesque. Ce que je suis en train de produire est une folie. Étale le gris avec ton doigt pour faire plus clair. Mais vous foutez de moi ou quoi? Parce qu'au bout d'un moment, je peux pas passer non plus tout mon Z-Event à faire le dessin d'Edmund, vous voyez ce que je veux dire? Louis, t'en penses quoi de mon dessin? En toute honnêteté. Incroyable, merci beaucoup. On dirait que sa bouche, c'est le bas et que j'ai fait un trait qui sert à rien. Il a un large front aussi en vrai, il risque d'avoir un sacré front. Hein. Chez nous, ça rend vraiment bien. Ouais, bah pareil, c'est juste que je veux pas me vanter, mais en vrai, oui, ça rend giga bien ici aussi. Il ressemble plus à Macmillan que le premier dessin. Je sais pas, hein. Je sais pas si c'est sympa de dire ça. Hein. Qu'est-ce qu'on rajoute? Franchement, honnêtement, j'ai plus envie d'y toucher, tellement il est beau. Même la signature, c'est le truc le plus moche du dessin, genre. Je vais manger une cuillère entière de mayonnaise, comme ça. Franchement, la douleur n'est qu'une information. L'envie de gerbs n'est qu'une information. Franchement, je me suis pas moqué de vous. Regardez-moi cette belle cuillère. Oh, oh, sauvé par le gong. Pour fêter 800 000 balles. On y va là? Allez, dans 3, 2, 1.
Ah, puis c'est de pire en pire. Arrête. Faut pas que je vomisse. Si je vomisse, c'est terrible. Oh, je me bouffe un nem. Je m'en fous. Je me bouffe un nem. Ciao. Bonne nuit. Merci pour tout. Gros bisous. On se retrouve demain. The following day. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Le Metal Gear. They're the same picture. Ouais, bonjour. C'est un faux, hein. C'est un faux, c'est pas un vrai. Hein. Ça non plus, c'est pas une vraie. Hein. Mais du coup, là, il faut qu'on aille s'intriquer avec Mintos sur le Tusmo machin, là. Je vais aller chez Ponce direct, hein. Déjà, premièrement, je reviens sur le tableau Shifusmo, si vous ne connaissez pas. C'est un magnifique tournoi qu'on organise de Shifumi et Tusmo. Oh non, c'est incroyable ce qui se passe. Je vous présente Shisheyu, notre premier... ça va ou quoi? En forme? Non. Vraiment, c'est que aux events qu'on peut voir ça, mec. Hein. En vrai, il te va putain de bien, par contre. Ah, c'est pas un costume. Je me suis vraiment fait chier à acheter des tout indépendamment, tu vois. C'est vrai? Ouais. En fait, j'ai tapé genre DY, comment faire un costume de Snake. Et les gens, ils disaient, il faut un maillot gris, un pantalon, un truc comme ça, un bandeau comme ça, etc. Il est insane, en vrai. Le concept, c'est un tournoi de Tusmo, okay, puis de Shifumi. S'il y a 1-1, on regarde qui... sur la cagnotte a rapporté le plus pendant tout le temps des épreuves. Okay. Tu veux que je commence? Ouais. Ah, c'est plan cul ça. Bah, je commencerai le pierre feuille ciseaux. Tu préfères être assis? Je commencerai. Mais je suis à chier, mec, c'est horrible. Genre, je sais pas jouer à ce jeu. Hein. Un, c'est facile. Hein. Deux, oh, c'est parti. Bon, simple. C'est parti, messieurs dames, pour Shisheyu. Le premier mot, irradié directement, c'est bien tenté. J'aurais pas mis ça, moi. Ok, ça commence à atteindre. Je comprends. C'est insane. Non, mais c'est pas grave. Hein. Arrêtez de parler, putain, c'est trop grave. C'est ça. Mais oui, mais il manque à chaque fois. Moi, je fais des mots du 8 dans ma tête. Il y a un Pokémon en I, non? Arrête avec les Pokémon. J'ai mon cerveau, il bug là. Inconnu. Tente un inconnu. Ouais, mais non, mais je vais pas me faire backseat. Ah, si, on a le droit. Ah, non, mais y a... le jeu n'est pas légit. Le jeu n'est pas légit. Ok, bah. C'est pas légit. Bon. Insecte. Ok. Injecté. Oh. Mais du coup, je remets CET, donc ouais, c'est. Ah, ouais, bah ouais. Ah, infesté. Mais y a pas de T non plus. Oui, mais t'as pas testé le S qui est quand même. Ouais, vas-y. Ok. Y a pas de S, y a pas de F. Donc vous foutez de ma gueule, mais vous l'avez pas non plus en fait. Ah non. Ah oui, non, c'est extraordinaire quand même. On est sur une belle situation quand même. Indexé. Ouah, t'es très possible. Fort si c'est indexé. Hein. Attends. Je pense. Oh, t'es le GOAT. T'es le GOAT. Donne-lui la réponse aussi. 3-4. Non, mais. Non mais frère, ça fait 4 minutes 3. Que je suis surindexé, c'est 3. Le pire mot de allez, l'histoire. Allez, mec, c'était le pire mot de l'histoire. Il va avoir bonjour. Allez, bonjour. Je dirai bonjour, et ben voilà. Mintos. C'est moi ça. 3, 2, 1, maintenant. Bon cool, bon carnage. La roue tourne. J'espère que la roue tourne va tourner. Non mais votez pour moi là. Enfin, bébé, donnez de l'argent. C'est quoi cette histoire là? Ouais, rustique, ouais, il manque. Après, tu peux le mettre avec un K, rustiqueux. Allez, Mintos. Ramonné. Oh, ramonné. Bah, je l'ai, putain. Non, c'est vrai. Ramuré. T'es trop con, hein. Ramuré. Oh, il est trop fort. Oh, oh, le clutch de fou, il et a voilà, mis 1 minute 20, c'est le record. Eh oui, eh oui. Il y a 1-0 pour Mintos. Que vous sortez le truc. Pas de retard, pas d'avance. À mi, ok. Ah, mais j'aime, j'adore. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Prêt. Je vais faire feuille au début. Ouais, pareil. Putain, c'est mannequin. Attention. Shifumi. 1-0 pour Mintos. Shifumi. Ah, un partout. Shifumi. Oh non, c'est toi, Shisheyu. C'est Shisheyu qui l'emporte. Let's go à la bagne. Vous avez 2 minutes. Monsieur dame, 2 minutes. Votez, le chrono est lancé. 2 minutes. Pour donner. Après ce que je viens de faire, je mérite. Toi, tu gagnes au pif. Moi, je gagne là. Comment ça, au pif? Mais je te main game à l'infini. Non, t'as rien main game du tout. Mais si. Mintos, défends-toi. Non, mais moi. T'as 1 minute. Non, il aime pas ce jeu. Comment ça? Non. Oh, il y a quelqu'un qui a donné là. Oh là, il y a quelqu'un qui a donné. Oui. Oh là là. Oui, vous avez une vitesse. Mais arrête de bouder. Attends, mais moi, je veux savoir dans les règles pourquoi il y en a un qui gagne au talent et il y en a un qui gagne au pif. Mais c'est tout le principe de son jeu de et il y en a un qui gagne à la commune. Tu m'as dit que t'allais faire. Encourage ta communauté. Pitié, la team 1000 balles, la team 100 balles, la team 500 balles. Il vous reste 30 secondes, la team 1000 balles. Il vous reste SHYQ. Il vous reste 20 secondes, messieurs, dames, et pour le moment, l'avantage est à Shisheyu sans aucun doute. Non, moi, je rentrerai pas dans ton jeu. Je rentrerai pas dans ton jeu, tu vois. Dans la surenchère, non, moi, je fais pas ça. 3, 2, 1, c'est terminé. Hop là. Oh, le respect. Bravo à Shisheyu.
Est-ce que Louise, tu es ready pour les amours? Oui. Je pense qu'on va se faire ça. Hein. Ok, tu me dis quand t'es prêt. Je suis, mais plus prêt que je n'ai jamais été prêt de ma vie en fait. Question numéro 1. Qu'est-ce que je déteste le plus chez toi? 1. Ton métier. 2. Ton style vestimentaire. 3. Ta mauvaise foi. Mais c'est si dur! Tu détestes les trois! Non, 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 je sais, c'est trop facile! Les trois! Non, mais oui, les bastos de sens! C'est la 3. Elle déteste le plus ma mauvaise foi que mon style vestimentaire. Parce qu'en plus, ma mauvaise foi couvre mon problème vestimentaire. C'est-à-dire que je couvre mon problème vestimentaire par de la mauvaise foi. Donc ça peut que. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle est ma destination de vacances de rêve? 1. Le Japon avec sa nourriture. 2. L'Italie avec sa nourriture. 3. La Norvège avec tout sauf sa nourriture. Je pense qu'il serait de très mauvais goût que la réponse que je dise ne soit pas la bonne, sachant qu'on en a parlé il y a littéralement 3 jours, j'ai l'impression. Ouais. Donc c'est l'Italie avec sa nourriture. Ouais, c'est une bonne réponse. Question numéro 3. Qui est mon ou ma streamereuse préférée de 2023? Point bonus si tu trouves le nombre d'heures regardées à 20 près. Vas-y. 1. Toi. 2. Pobelter. 3. Celerity. Pour moi, l'arc Celerity, c'était avant. Et Pobelter, je sais même pas... Je peux me renseigner sur qui c'est Pobelter, hein? Ouais. De toute façon, je vais répondre Pobelter pour TFT et je vais dire que t'en as vu... Hein? Il est pas sur TFT. Je vais quand même répondre lui parce qu'il est trop bizarre dans la liste. C'est une mauvaise réponse, c'était toi. Mais ça veut dire que j'étais... En 2023, je suis le stream que t'as le plus regardé? Mais vraiment largement en plus. C'est... Hein? Je vais dire que tu as vu exactement 435 heures de live. Ah, dommage, très peu près. C'était 540. 540, 187 pour Bobelter et 180 pour Celerity. Question numéro 4, une question coquine. Quelle est ma position préférée? 1. Allongé sur le dos. Attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas de quoi on parle. On parle de quoi là? 2. 48.85.04.10.61.42.5.7.8.2.39.19. Je pense savoir ce que c'est. Et si c'est le cas, c'est très drôle et on est connecté. Si c'est. Ok. Troisième réponse, affalé dans le canapé. On est d'accord que la deuxième réponse, c'est des coordonnées? Ouais. Est-ce que c'est les coordonnées de Folie Piment? Oui. Évidemment, sa position préférée, c'est à manger des piments à Folie Piment, 3 fois plus de piments à Paris. Ah, celle-là, elle était trop simple. Question numéro 5. Quelle est la tâche ménagère que je déteste le plus? Te faire des papouilles devant Friends. 2. Cuisiner. 3. Étendre le linge. Je pense honnêtement que c'est étendre le linge. Oui, largement. C'est tellement horrible. Le reste, j'aime bien. Très, très dur, celle-là. Si je devais mettre 3 fruits dans une salade de fruits... Question 1. Banane, mangue, fruit du dragon. 2. Pêche, poire, fraise. 3. Pomme, ananas, framboise. Je pense que c'est le 2. C'est le 2. Bonne Let's réponse. Go. Question numéro 7. Si je devais emporter qu'une seule chose sur une île déserte. 1. Mon Dyson Airwrap. 2. Mon iPad. Ouais. 3. Un bon livre. On remarquera que je suis pas dans la question. Hein. On remarquera que je ne suis même pas une proposition. Ma réponse est le Dyson Airwrap. Oh, non, pas du tout. Quoi ? Mon iPad pour jouer à TFT, t'es fou. L'iPad pour jouer à TFT ? T'as pas dit qu'il y avait connexion internet aussi, mais bon, vas-y, je veux pas commencer à faire de la mauvaise foi. Vas-y, bon, vas-y. Non, vas-y, 5 sur 7. Ok, d'accord. Question numéro 8. Si tu arrives dans la chambre avec de la chantilly, comment je réagis ? 1. Super, t'as des petites cuillères. 2. Bah, qu'est-ce que tu fais ? Quel viewer t'a donné cette idée ? 3. On vient de changer les draps. Moi j'en vois 2 qui sont vraiment possibles. Et comme récemment on s'en est servi comme ça, je veux dire super des cuillères. Exactement. Ça aurait été terrible que, comme récemment on s'en est servi comme ça, je vais dire eh ben de changer les draps. Question numéro 9. Lors de notre premier rendez-vous, comment étais-je habillée? 1. Une petite robe noire. 2. Un short et un crop top. 3. Une combi short. Une combi short. Oui, c'est une bonne réponse. Trop facile. C'est la dernière. Dernière question. Est-ce que c'est la plus dure? Attends, je reprends la clope. C'est la plus dure. Ok. T'es prêt? J'ai jamais été aussi froid de ma vie. Hein, genre... Question numéro 10. Est-ce que tu veux m'épouser? Première réponse. Oui, mais tu fais un don de 500 balles. Non, mais tu fais un don de 500 balles. 3. Tu comptais faire une demande avant 2005 dans tous les cas. Et pourquoi tu m'as posé ce cringe? Je te l'en
faire. Attendez, parce qu'il y a quand même 500 euros en jeu là. Je vais répondre la réponse 1. Je vais répondre la réponse 1, oui. Mais attends, mais qui décide de la bonne réponse dans ce cas-là du coup? Tant pis, moi en fait j'attendais la 3 surtout. C'était ça la bonne réponse. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses, c'est ça? Oh. Et bien, j'ai eu beaucoup de fun à faire ces questions. C'était très drôle, j'ai adoré. J'ai adoré. Que ça. Et ouais, j'ai trop gentil. T'as tellement pris le truc à cœur, genre je m'attendais à ce que ce soit bien. Mais genre là, j'ai été plus que surpris sur le fait que c'était excellent, tu vois. Ouais, mais tant mieux. Je vais être très contente du coup. Folie. Merci beaucoup. Ouais, mais écoute, gros bisous. Béchamel. Yes, je vais déguster de la béchamel. Et bonne soirée, etc. Et bourrez les dents les autres. Yes. Bye bye. Je t'aime, bisous. Pas de réponse. De toute façon, j'ai bien compris que c'était fini. Hein. J'ai bien compris que c'était la fin. J'ai fait exprès de raccrocher. Bon, allez, la béchamel. Allez, allez. 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 J'ai fait la mayonnaise, je peux faire la béchamel. J'ai fait la mayonnaise, je peux faire la béchamel. Poca cuisine très bien, donc ça n'a rien à voir avec le défi d'hier. C'est juste que moi j'ai un blocage avec la béchamel sur la texture. Mais la bouffe de Poca par contre, là il reste que ça. Il est trop fort, c'est trop bon. Oula, attends, je reviens là, qu'est-ce qui se passe là? What? Et le karaoké de 3h du mat, là, c'est planchu, là, je pense. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Vous m'entendez? Je pense qu'on va réécouter un bon drop, les gens. Et je vais dire un truc qui va vous faire du mal. Mais je pense que toutes les bonnes choses ont une fin. Many tic-tacs later. Mais on passe sur le cadavre là. Comment on va se démerder? Maintenant, il faut que je le fasse signer par tout le monde. Je vais commencer par moi. Bon, on a toutes les signatures. Chiffre final pour les t-shirts et la boutique. Ouais ! La boutique rajoute 1 300 000. 8 millions, bravo ! Je reviens. Il y a les 9 millions chez Zerator. Et les 125 000 ici, c'est votre seule mission. La mission est presque terminée, le chat. J'ai peur. J'ai peur. C'est la fin du Z-Event. C'est la fin du Z-Event. Putain. T'es zinzin, merci pour tout. Bah merci à vous hein. Enfin, non mais il y a eu tellement de choses, enfin, j'ai l'impression que c'était à 10 jours quoi. J'ai l'impression d'avoir vécu une énorme journée en dormant 5 heures par nuit, les deux nuits globalement. Bravo, big cœur sur vous honnêtement. Genre dans le chat vous envoyez énormément d'amour là.
mille merci, enfin je veux dire mille merci à tous les viewers du chat, mais là c'est des remerciements un peu personnels, parce que genre il y a énormément de gens qui sont restés sur ce stream pendant tout le week-end. Merci pour tout, quoi. Enfin, genre vraiment, de regarder des conneries. Moi, quand je regarde, vous avez vu tout à l'heure, on a vu des clips de moi. Quand je regarde les clips de moi, ça me fait pas vraiment rire. Genre, je me dis, c'est la honte, quoi. Genre. Et pour autant, il y a quand même des gens qui sont dans le kiff. Donc, si ça fait kiffer, tant mieux. Merci à Louise aussi, qui justement a été d'un énorme soutien, bah, comme d'habitude. La veille du Z-Event, j'ai vraiment pété les plombs. Ça allait pas très bien. Et genre, elle a été là pour moi, comme d'habitude. Et genre. Je l'aime de tout mon cœur et je l'aimerai toujours. C'est peut-être des discours que vous avez entendus 10 000 fois, mais j'ai l'impression d'avoir une chance de zinzin de faire ça. Et encore une fois, c'est grâce à vous, comme toujours. De toute façon, c'est un truc que je travaille actuellement, mais oui, je peux pas m'empêcher de penser dans ma tête que je vous dois tout, puisque bah, c'est mon métier. Mais je le vois comme ça et c'est un boulot que je fais sur moi. Mais en tout cas, le Z-Event, ça c'est sûr, vous doit tout. Ça par contre c'est clair, parce que sans vous, bah, il n'y aurait pas 10 millions en fait, ça n'a aucun sens. Merci d'avoir regardé, merci pour tout, je l'ai dit mille fois, mais juste merci. C'est la fin de ce Z-Event, merci à toutes et à tous, bravo. Vous pouvez vous applaudir les streamers, vous avez été exceptionnels. C'était incroyable. On va vous souhaiter une très bonne nuit, très bonne soirée. Vous pouvez être très fiers de vous. Au-delà de tout le divertissement que tout le monde a produit ce week-end, c'est des gens en réelle difficulté qui vont être aidés grâce à ces 10 millions d'euros qui vont être répartis équitablement dans chacune des associations. Merci à toutes et tous. Il nous reste à tous nous souhaiter une bonne nuit. Et à nous dire ciao!